Aujourd'hui, nous allons découvrir la structure du texte argumentatif et bien évidemment le vocabulaire de l'argumentation. Comme vous le voyez dans le tableau, ou bien d'abord, on commence toujours par un titre. Un titre valorisant. Ensuite, il y a trois parties. Comme vous le voyez dans le tableau, dans la première partie qu'on appelle l'introduction, vous trouvez le thème ou bien le sujet dont on parle dans le texte. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la thèse ou bien l'opinion, la vie de l'auteur ou bien le point de vue de l'auteur. Ce sont des mots synonymes, ils ont le même sens. Il y a la thèse, l'opinion, la vie ou bien le point de vue de l'auteur. Il annonce sa thèse ou bien son opinion euh, par des verbes qu'on appelle des verbes d'opinion. Par exemple, le verbe penser, croire, trouver, etc. Donc on peut dire je pense que, je crois que, etc. Et la deuxième partie, on l'appelle le développement. Et dans la deuxième partie, vous trouvez les arguments et les connecteurs d'énumération. D'abord, ensuite, enfin, etc. Les arguments, al et vous trouvez aussi les exemples. Les exemples servent à appuyer les arguments. Les les arguments. Vous trouvez pas toujours, bien sûr, trois arguments. Vous pouvez trouver moins deux arguments ou peut-être plus. Et finalement, là, تروزيام إلى هي باغتي سي لا كونكليزيون دون لاكيل إون كونفيرم لا تيس لا دو لمن أراد الاستزادة والمزيد من التمارين حول هذا الدرس فما عليه سوى الرجوع إلى فيديو سابق نشرته في القناة فيه المزيد من المعلومات عن الدرس أنصحكم بالعودة إليه أترك لكم الرابط في صندوق الوصف واتمنى لكم حظا موفقا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته